Ouais, salut mes birds, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau let's play sur Wolfenstein The New Order. Donc sans plus attendre, on va se lancer sur cette nouvelle dinguerie, ce nouveau FPS bien hard comme il faut, comme je les aime. On va faire vite fait la présentation du perso, si j'arrive à trouver. Bonus, qu'est-ce qu'il y a? Collection, crédit, statistiques, code secret. Perso, tiens, on va passer. Donc, nous incarnons BG Blasco, 1946. BG est un agent spécial du BAS, Bureau des Actions Secrètes, d'accord, chargé des missions contre le régime nazi. Ouh, il y a du nazi dans le coin. Il cherche à se venger depuis sa dernière rencontre avec le général Strass, au cours de laquelle Caroline Baker, leader de la résistance, a trouvé la mort. Donc, nous incarnons ce blond aux yeux bleus, bien énervé comme il faut, même on pourrait dire que c'est un Allemand le mec et tout. Non, en fait, il fait partie d'une agence secrète, la BAS. Donc, on se retrouve en 1946, je crois, si j'ai pas de conneries, quoi. Ça commence du moins en 1946. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu commencé le jeu en live. Je suis arrivé à peu près jusqu'au chapitre 6 ou 7. Donc là, je vais tout recommencer à zéro. Donc, je connais un petit peu. Ça fait délire. Je connais un petit peu l'histoire, même si je vais pas vous mentir, j'ai passé toutes les cinématiques pour pas trop me spoil. Ça fait que je comprenais rien en live, mais bon, c'est pas grave. Ça valait le coup, franchement. Juste les 5-6 premières missions, c'est vraiment un truc de fou. Comme d'habitude, là c'est vrai que j'étais un petit peu en mode pause. Là, ces 6 derniers mois, mais là ça commence à arriver. Bientôt, il y a du lourd, il y a le fameux Watch Dog aussi qui arrive. Donc là on reprend petit à petit, il y a pas mal de vidéos que je veux reprendre, mais là pour le moment on est sur Wolfenstein. Donc ça c'est les modes de difficulté, je peux jouer papa, me faites pas de mal, amenez-vous, je suis la mort incarnée et Uber. J'étais tenté de partir en Uber, mais quand j'ai vu que je prenais deux mal et je mourais, je me suis dit, ouais voilà, me voir mourir toutes les 4 secondes, est-ce que ça va vraiment être, ça vaut vraiment le coup? Donc ça c'est le mode normal pour les joueurs réguliers, mode difficile pour les joueurs expérimentés. Je suis pas un joueur expérimenté, moi, vous le savez. J'ai calmé les FPS depuis un bon moment. On verra de toute façon si je vois que c'est trop simple. Je pense que je passerai du mode normal au mode difficile. J'ai vu qu'on pouvait changer à tout moment dans le jeu. Donc on est parti. Je crois, si je dis pas de bêtises, que le jeu a été développé ou édité plutôt par Bethesda. Et développé par Machine Game que j'ai vu en début. Je me suis un petit peu renseigné sur Machine Game. Je crois que c'est presque. Ouais, je crois que ils ont démarré, on va dire, entre guillemets, en 2009. Donc Machine Game que je connais pas du tout. Faudrait que je me renseigne, que je regarde avec Ex aussi pour voir s'ils ont fait d'autres jeux. Bon, Bethesda, on les présente plus. Ils ont édité pas mal de jeux. Que du lourd, quoi. Que du lourd. Il y a eu pas mal de daubes. Non, il y a quand même pas de bons jeux. Bon, bien sûr, on parle plus de The Elder Scrolls Online, de The Elder Scrolls, de Skyrim, d'Oblivion et tout ça et tout ça. Bref, on se lance. Allez, on va partir sur Amenez-vous et on est parti directement avec notre Blasco. Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Ok, bon, on est direct plongé dans l'ambiance. Ok, donc l'objectif est là. On va direct partir. Ok. Oula. Ok, Moré. Donc je tiens à signaler parce que pas mal de gens me le reprochent. Enfin, je parlerai après, je pense.
Donc j'ai été coupé par notre ami et justement en fait, j'allais justement parler de ça. On me reproche souvent sur les FPS, que ça a été sur COD ou sur Battlefield, de pas beaucoup parler sur les vidéos et je fais ça, c'est intentionnel. Voilà, justement, pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'interactions entre les personnages et ça c'est quelque chose que je préfère laisser en avant sur les vidéos. Moi je suis juste une personne qui joue et je préfère. Quand je me mets à la place d'une personne qui regarde les vidéos, je me dis que la personne préfère se mettre dans l'ambiance, se mettre dans l'histoire, entendre les personnes parler, et on est plus, nous, en second plan, entre guillemets, moi je me mets en second plan. Donc c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup sur les FPS, ou du moins tous les jeux où il y a beaucoup d'interactions, et celui-ci il y en a pas mal, donc vous m'entendrez pas beaucoup parler, je pense. Donc je tiens à le signaler. Si vous appréciez, tant mieux, si vous appréciez pas, ben tant pis les gars, vous avez pas mal de let's play sur Wolfenstein. Ouh! Et là, je viens de prendre un truc. Donc comme ça, vous êtes au courant. Ok, pas mal. Donc bien évidemment, on joue sur PC, les gars. Bon. Moi, je vois que dalle. D'accord, putain, alors je tire sur un allié. Ça, j'ai dit, ouais, je comprends pas le. En fait, je tire sur tout le monde, sur les alliés, sur les ennemis. Pas gros. J'entends la faucheuse. Elle hurle mon nom. Pas le temps de la saluer. J'ai une guerre à gagner. T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré. Un vrai dur à cuire, nom de Dieu. Aidez! Mon tour, hein, vous me recevez? Utilise cette trousse de secours, vite! Quand tu joues, espèce d'abruti. Écoudeur 9, ici vautour 1, écartez-vous un peu! Négatif, vautour 1. On va en lancer inverse à cause du roulis. Pour qu'on brise la formation et que vous nous fassiez de la place, Fergus. Affirmatif, Randall. Blasco, rentre au radar. Tire le levier là-haut, près des voyants lumineux. Merci, capitaine. Vous êtes dans un sale état, Condor 9. Je vois de la fumée. Fuite au niveau des gouvernails. Aileron frise HS. Ouais, j'ai l'impression de piloter un frigo en béton. Merci, Fergus. Ah, Condor 9, répondez, Condor 9. Répondez, Condor 9. Ici, Condor 9. Qui c'est? Soldat Wayland, 109e aéroporté. Ok, mon gars, ouvrez bien vos oreilles. Oh, vous voyez le manche du pilote? Je le vois. Bien, il faut que vous l'attrapiez fermement à deux mains et que vous le tiriez vers vous. Ne le tournez pas, il doit rester droit. Tirez-le juste vers vous. Bien reçu. Je crois que ça fonctionne. On se stabilise. Ok, soldat Wyatt, vous allez faire une dernière chose pour moi. Quoi? Postez un homme près de la porte latérale. Vous allez avoir de la visite. Bien reçu! Blazkowicz, ouvre la porte des cockpits. Tu devras la tenir. T'es prêt? C'est parti! Attention!
plan, capitaine? C'est marche ou crève, soldat. Comme d'habitude. Bien dit, capitaine. Mon copilote est mort. J'ai pris du chapelle dans la jambe. Je pisse le sang. J'ai 71 soldats à bord. Je sais plus quoi faire. Oh, c'est un putain de bordel. Dans ce gros del bord. Donne-moi de la vie. Donc, pour ceux qui se demanderaient, qui n'auraient pas remarqué, et ceux qui connaissent un petit peu, notre vieil ami Jack Bauer, donc notre ami Blasco, a la voix française de Jack Bauer. C'est la première chose que j'ai remarqué, vu que je suis un kikoulol et que je regarde 24 heures chrono. Donc voilà, comme ça, vous savez de qui est la voix. Oh putain, j'y croyais plus! Oui, oh, merci! Photon 1, 3, 4, 8 et 9 abattus! C'est l'hécatombe! Faut annuler la mission! Blaskovitz, aidez-le à se relever! Négatif, Condor 9, gardez le cap! Putain de merde, Gordon! C'est une vraie boucherie ici! Écoutez-moi, Fergus! Cette mission échoue, on perd l'Europe! Merci. On n'a pas le choix! Merci beaucoup! Normal! Vous n'arrêtez pas de boucher, tout est perdu. C'est notre dernière chance. Ouais, Gordon, je vous reçois. Il faut que j'y aille. On approche de la base du boucher. Centre de contrôle terminé. Condor 9, terminé. Accroche-toi bien, Blasco. Tiens-toi prêt. L'impact va être brutal. Il va être brutal. Accroche-toi. Nous sommes le 16 juillet 1946. C'est encore l'aube. Tout s'effondre autour de nous. La machine de guerre nazie avance à un rythme effroyable. On accumule le retard. Nos stratégies sont éculées. Nos armes dépassées. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Pas moi. Je suis là pour voir un vieil ami régler mes comptes. Je vais changer la donne. Fergus, où t'en es de ton côté? Blaskovitz, on est dans la merde jusqu'au cou ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. Tu vois par là-bas? Hé, hey, Wyatt, allumez les lumières. Blasco, est-ce que tu la vois? Wyatt, dis-moi ça vite. D'accord. Je vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il nous faudra au moins ça pour en venir à bout. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Bonne stratégie, Fergus. J'arrive tout de suite. Normal. Il y a un cabot... En ferraille qui m'a éjecté dans un bout d'avion. C'est n'importe quoi. Oh. What? Oh, wow, 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 wow. J'ai oublié d'appuyer sur la touche, wesh. Ok. Monstre construit par le boucher. J'aurais dû tuer ce type bien longtemps. Ah, c'est putain de voix. C'est un truc de malade. Les voix du jeu... Franchement, je trouve que c'est grave stylé. Ils nous ont mis des voix, mais genre on dirait que le mec il nous murmure à l'oreille. Juste énorme. Juste énorme. On va commencer à plonger, donc il faut qu'on aille chercher cette putain de mitraillette. C'est parti les moirais. On dirait qu'ils ont passé un sale quart d'heure. Hein. Suivons les cadavres! Et faire sur Talon quoi. Wow. Ah oui c'est vrai ce gros bordel. What? Truc de fou. Vas-y mec, j'ai pas vu que tu meurs étouffé ou quoi. Donc
système, gros système, un gros plus sur le jeu. Vous le remarquerez tout au long du let's play. La vie ne remonte pas toute seule, du moins que par cran. Ça marche pas comme à l'ancienne, quoi, comme sur les nouveaux jeux, c'est vraiment à l'ancienne. Il faut récupérer vraiment de la vie pour que vous vous soignez, plus de l'armure, etc. Donc, vous avez pu vous apercevoir que les Allemands ont beaucoup plus d'avance technologique que nous. D'ailleurs, on est en train de se faire broyer. Et nous sommes bien alors en 1946, comme je l'avais dit au début. Quoi, dans les années 50, quoi. Hey, calmez-vous un peu. Bon, écoute. Il y a 3 lignes mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étriper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous, on reste ici pour te couvrir. Compris. Ah, prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis notre position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture ? C'est parti. Oh putain. Ok. J'ai des petites baisses de FPS. Ok, it's a grenade. Yes. Allez, c'est parti. Un petit peu bourriné. J'ai eu des munitions. Donc, ce jeu est vraiment, il est vraiment bourrin, hardcore. Ce que vous voulez, il y a pas mal de petites missions d'infiltration. Mais attendez, je vais baisser le son du casque parce que le. J'ai peur de gueuler là, il est tard et tout. Pas mal de missions d'infiltration, mais aussi beaucoup de missions qui sont assez bourrées. Vous allez le voir de toute façon tout au long. Je vais pas vous spoil ou quoi que ce soit. Ok, il est où lui? Donc détruit, on peut détruire le décor. Vraiment pas mal, du démembrage aussi. Ça faisait longtemps sur des jeux vidéo qu'on avait plus vu de démembrage. Du moins, je m'en rappelle pas. Ok. Il est où? Ok, toi je vais te faire sortir. Ça a marché. Donc, destruction de. Ah, mais j'ai détruit quelqu'un. J'avais détruit en rentrant. Donc encore un plus pour moi sur le jeu. Là dès le début c'est vrai que j'ai pas mal de petits points à aborder et tout. C'est vrai que là ça vient de commencer, pour vous c'est tout neuf et tout. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de map. Donc quelque chose qui est bien. Vous inquiétez pas, il y en a une. Mais il faut l'activer. Et c'est pas quelque chose qui est directement en bas à droite, en haut à gauche ou etc etc. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Après vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs qui sont vraiment tarp intéressants, comme ce double gun, que ça soit avec les fusils d'assaut, avec les miniguns, avec les luggers, avec les avec toutes les armes, avec les snipers, pour avoir tout en double. C'est vraiment un truc de fou. Vous pouvez le faire le jeu wow, de différentes façons, que ça soit infiltré ou vraiment bourrin. Vous me connaissez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une personne qui a beaucoup de mal sur les jeux d'infiltration. D'ailleurs je pense que je vais faire Metal Gear très prochainement, du moins le Ground Zero,
Et il s'avère que j'ai beaucoup de mal en infiltration, du coup je pense que j'essaierai de faire de mon mieux. Mais je pense que ça finira toujours un petit peu bourrin. Non, je garderai ça vraiment en cas de grosse attaque. Putain, il m'a cagué. Je vais tourner le jeu en moyen. Il est en médium là, il est pas à fond. Ça me suffisait, j'avais pas besoin de le faire tourner plus que ça. Personnellement, je trouve que même en médium, il est assez beau. Plus que beau même. Il est plus que raisonnable le bordel là. Franchement, c'est vraiment que du plaisir là pour le moment. Je suis vraiment en kiff. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment en kiff dessus. J'ai décidé aussi de bien me remettre sur la chaîne. Vous l'avez compris, là c'est vrai que j'ai eu quelques temps un petit peu de lassitude, on va dire. Je me suis un petit peu lassé de tout ce YouTube et tout ça. En même temps, il n'y avait pas énormément de jeux qui sortaient. Et là, ça va recommencer un petit peu de plus belle. Je me suis un petit peu mis à gauche. En même temps, la vie n'a plus de valeur ici. Avec ma fille, ma femme, ma vie, mon taf et tout, du coup, c'est pas facile à gérer tout ça. Mais voilà, petit à petit, on va s'y remettre. C'est pas la fin de la Walk Machine comme on me surnommait il y a quelques temps. Et là on est parti pour trucider du nazi. Okay. On va essayer de la faire discret vu qu'il va vouloir qu'on la fasse discret. Ok, bon, j'ai voulu la faire discret mais ça va marcher. J'aurais dû me lever. Encore une fois, je suis le roi du fail, pour ceux qui me connaissent. Ah, le double Luger, pas mal. Je crois que c'est un Luger. Donc vous voyez, hein, c'est le jeu où il faut cliquer à droite, à gauche pour essayer de récupérer le plus d'objets possible. Il y a pas mal d'items, je vais vous montrer ça tout de suite. Pas mal d'items, bon, on les aide, on s'en fout un petit peu. On s'en fout quoi. Du moins, dès qu'on commence la première fois, ça toujours, c'est très utile. Il y a pas mal de choses à chercher. Là, à l'occurrence, j'ai trouvé 2-3 petits trucs. Donc, l'ayant fait déjà une fois, on peut pas retrouver ces mêmes objets. Je suis en train de voir là. Parce qu'ils sont déjà comptés, j'ai l'impression. Du coup, il y a pas mal de trucs à collectionner, des codes secrets, des lettres, des trésors, des artbooks ou des personnages dont les persos ils sont tous là. Je pense que c'est le truc du jeu en fait. Les atouts, alors on va venir aux atouts. Les atouts, c'est quelque chose que je trouve plutôt sympa sur le jeu. C'est pas des atouts qu'on débloque avec des objets ou des points de collection ou des conneries du genre ou quoi. Ces atouts se débloquent uniquement en fait en faisant les actions qui sont demandées. Permet de lancer un couteau aux ennemis en fait. Là en fait, pour débloquer cette action qui est dans la rangée furtivité, il va falloir que je fasse des ennemis éliminer furtivement un commandant. Donc ce que j'aurais dû faire là maintenant, que j'ai fail, en faisant cette élimination furtive, je pourrais débloquer cette aptitude qui ensuite m'amènera à celle-ci, ensuite à celle-ci, en celle-ci, et ça me demandera à chaque fois par exemple tirer 3 tirs dans la tête. Là par exemple, voilà, œil de lynx augmente les dégâts de tir à la tête quand vous regardez dans le viseur. Donc fusil d'assaut, j'en ai fait 3 sur 1, et au pistolet il faut que j'en fasse 1. Donc quand j'aurai fini celle-ci, je passerai à celui-là, vous avez compris, tactique, attaque, démolition, donc pour tout avoir. Et ça peut être vraiment intéressant, je trouve ça pas mal comme système. Bien sûr, les notes avec l'émission, d'entrer dans le bunker, je dois trouver le moyen d'entrer dans le bunker, ouais, dans un. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour, les armes que j'ai montré ici avec la roulette qui est pas mal du tout. Comme je vous ai dit, franchement, les double guns, c'est vraiment un truc de malade. Je vais essayer de jouer au double gun pour faire un headshot. Il n'y a personne ici. Ok. Ok. Donc là, il risque d'y avoir un commandant. On va essayer de la faire discret. Ici si ça marchait, alors ça n'a pas marché, j'ai pas compris pourquoi. C'est pas grave. L'IA n'est pas super intelligente. C'est bon. Voilà. Donc j'ai débloqué un atout éclaireur. On verra par la suite ce qu'il donne. On va essayer de le faire un petit peu infiltrer.
vu que vous en verrez pas beaucoup sur le de mon côté du moins. Avec X, on a décidé de faire une chose, encore une fois, comme on s'est passé le mot pour Infamous, j'avais fait le côté gentil, il avait fait le côté méchant. Là pour le coup, il y a encore sur ce Wolfenstein des choses à faire différemment qui, soi-disant, on va pas dire soi-disant, mais qui, en fait, à un moment du jeu, de toute façon, on va y venir très prochainement, il faudra tuer une personne. Et selon le choix, ça nous mènera à des quêtes différentes. Du coup, il faudra que je tue une personne qui se trouve sur la droite et X s'occupe de la personne qui se trouve sur la gauche. Donc, petit spoil sans être vraiment un spoil parce que vous savez pas qui je vais tuer, etc. etc. Mais voilà, on y viendra, de toute façon j'en reparlerai. Et du coup, je ferai le côté droit, il faudra le côté gauche. Et on verra à quoi ça nous mène comme ça, sans faire le jeu, parce qu'il faut le faire deux fois. Je sais pas comment je vais faire pour le tuer là. Est-ce que j'ai le silencieux? Pas encore. Donc je vais voir ce que ça m'a débloqué. Cet atout m'a débloqué. Permet de lancer des couteaux ennemis. Ok. Ah non, il faut que je tue encore 3 sur ça. D'accord. Il va me voir lui. Oh, obligé. Ok. Faut que j'arrive à... Oh putain là. Ah ouais, quand même. Mais je tire pas dans la tête là. Ah voilà. En fait, il fallait peut-être viser en étant dans le viseur. Ok, bon, vous voyez que l'infiltration avec moi, ça part vite en cacahuète. Donc, on va prendre tout ce qu'on a à prendre. Et l'objectif étant de faire, de passer soit par ici, soit par ici. Vous voyez qu'il y a pas mal, on va dire, pas mal de choix. Quelques choix différents pour le moment. Ça reste vraiment couloir. Hein. Après, vous n'avez pas vraiment un monde ouvert où vous pouvez faire plusieurs choix. Mais vous êtes quand même dirigé. Même si des fois ça paraît un petit peu assez vaste. On va prendre tout ce qui se passe. Non, objet atteint. Et ce que je kiffe le plus, vous pouvez prendre ça, mais aussi la récupérer sur vous. Donc ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Surtout que c'est vraiment du lourd, cette mitraillette. Alors, ayant fait le côté gauche, en fait, ayant passé... Je suis passé en live sur le côté gauche, du coup je pense que je vais passer sur le côté droit vu que j'ai jamais vu ce que ça faisait. Et on va voir directement ce que ça fait en passant par ici. Bien sûr, du coup je suis un gros tanky là avec la putain de sulfateuse. Je sais même pas si ça va me servir à quelque chose en fait. Vu qu'on va tout faire péter, on va laisser là pour le moment. Ok, d'accord, c'est 4. C'est bon là, non? Ah ouais. Ok, Moré. Il me manque combien? Tactique 3 sur 1, 2 sur 40. Tir mortel à la tête permet d'équiper et d'enlever les armes plus rapidement. Oh, c'est pas mal ça. Donc il faut que je fasse encore des headshots. Et une munition furtive 4 sur 5. D'accord. Ok. Vichim furtive ou pistolet avec silencieux 0 sur 10. Ah, ça veut dire que j'ai probablement. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on aura le temps. Là, j'ai l'impression que je me suis plus mis. Ah, ben voilà. Donc, amélioration, pas mal. Une amélioration que j'ai trouvée. Donc, il y a quelques améliorations qu'on trouve en jeu. Là, à l'occurrence, c'était un silencieux. Donc, silencieux. Des fois, il fait des choses avec le flingue. J'ai cliqué sur rien là en fait. Il regardait juste si son arme était bien équipée et tout. Petit silencieux qui peut vraiment aider. Même si je vais pas vous mentir. Sur ce jeu, des fois, vaut mieux aller bourrin que en infiltration. Donc là, je passais par une petite trappe. Merde. Neutraliser les canons. Ok. Juste, je veux savoir où je suis, mec. D'accord, je suis là. Signal détecté 20 mètres. Ok, on va essayer. Wow. Vous avez vu que l'IA, franchement, elle est pas trop. Voilà.
Bon. Ah, j'ai dit que j'allais le faire en infiltré, donc je le fais en infiltré, hein, c'est bon. Ah non, mec. J'ai entendu lui. Il voit pas son pote là au fond? Mais à fond, on dirait que non. Voilà, appuyez sur 3 pour lancer couteau. D'accord, donc j'ai une nouvelle aptitude. Maintenant il faut que je fasse des headshots. Avec le silencieux à l'occurrence, ça serait bien. Même si pour le coup. Oh là là. Ah là, il y a un mec là-bas. Il va se tourner lui ou quoi là? Il m'a vu! Comment il m'a vu, frère? Voilà, c'est chelou, hein. Bon, c'est pas grave, il m'a vu. Donc ça, pour toutes les personnes qui n'arriveraient pas à ouvrir cette porte... non, je vais laisser le silencieux. Je vais passer sur mon AK. Mon fusil d'assaut. Donc pour ouvrir la porte de derrière, ça c'est un truc que j'ai trouvé la première fois que je l'ai fait. Il y a plein de codes aussi sur le jeu, j'ai oublié de le préciser. Pas mal de codes, des trucs à déchiffrer et tout. Donc ça, je pense que... On verra. Parce que franchement, je sais pas trop comment ça marche. Donc normalement, ici se trouve une médaille d'or. Donc médaille d'or que j'ai déjà trouvée. Et donc un petit endroit secret. Ok. Donc pas mal d'infiltration, mais on veut du sang un peu, on veut du... Ok, lui il a sauté, j'ai pas compris. Mais ils arrivent d'où tous ces mecs là? Mais... Ah, t'arrives d'où toi? Non. Bon. La tête a pas voulu sauter. On va pas insister. Cette alarme me stresse là. Ça va, ils savent que j'arrive là. Ok, pas mal de monde. Oh non, j'avais pas vu. Oh la dinguerie quoi. Première mort bête. Je pense qu'il va en avoir pas mal. Sur le jeu, je l'ai pas capté du tout. Franchement, j'étais dans ma folie meurtrière là. C'est pas grave. Ok. Tu m'as laissé le canon en plus. Mucho bueno. On y va discret. Ouais, comment il m'a grillé lui? Ok. Les têtes vont tomber. Et pas que ça. D'accord. Donc on doit se rendre dans ce fameux château de Wolfenstein. Qu'y a-t-il par ici? Y a-t-il un petit secret, un petit truc, un petit artbook? Non. Donc il est très important hein, pour toutes les personnes qui feront le jeu de vraiment fouiller à droite à gauche. Pas mal de gens je pense vont me demander dans les commentaires. Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que tu le conseilles pas? Est-ce que tu... Voilà. Tu nous conseilles de le prendre vraiment ou il paraît, donc ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, que le jeu ferait 16 heures. Donc il n'y a pas de solo, il n'y a pas de multijoueur. Pour le coup ça change un petit peu par rapport à tout ce qui sort, par rapport à tous ces FPS qui sortent et qui privilégient le multi par rapport au solo. Pour le coup celui-ci il n'y en a pas. Par contre, voilà.
il paraîtrait sur des sites, sur les forums et tout, que le jeu a quand même pas mal de durée de vie. Donc à voir si ça vaut vraiment le coup. Moi personnellement, les premières heures de jeu que j'ai faites, j'étais vraiment conquis. Monter de nouveau l'arme pour recharger. Voilà, là j'ai pas. D'accord, j'ai lancé le couteau, n'importe quoi. Ah d'accord, il faut. Ok. Je crois avoir compris. Mais pour le coup, là, pour l'instant, je m'en fous un peu, j'ai envie de passer là, d'avancer. Alors, allez. Oh, toi, tu m'as saoulé. Ok. Donc je crois en fait c'est de remonter l'arme là. Ah, on va le faire comme ça on voit hein. De remonter l'arme là-dessus pour la recharger. Ça serait bien. Donc vous avez compris un privilège les headshots et tout ça. C'est assez important. Ah direct. Truc de fou. Et du coup vous la reprenez, vous avez toutes les balles. Ok, bon c'est bon à savoir. Sachant que après par la suite. Wow, il a juste fait me prendre dans la gueule. Sachant que. Ok, je suis monté direct. Par la suite, j'ai utilisé d'autres armes qui ressemblent. Il reste encore un canon à Tokyo qui canarde nos avions. On a commencé à escalader la paroi sous le château. Dépêche-toi de nous trouver là-haut. C'est toi qui as détruit ce tas de ferraille, Blazkowicz. C'était du gros tard. Thanks bro. Oh, je savais qu'elle allait avoir un mec là. Non, pas parce que je l'ai fait, je me rappelle déjà plus mais. Donc le jeu est sorti le 20 mai 2014. Pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'est sorti ce jeu, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur tous les petits trucs. Alors attendez, si je me souviens bien, j'avais fait au hasard, j'avais fait celui-ci. Celui-ci. Et c'est ça. Tadam. Donc j'avais fait ça totalement au hasard. Hein. Je sais pas pourquoi. J'étais arrivé, j'avais fait 1, 3, 2. Et j'ai trouvé une pièce secrète. Donc je pense qu'il y en a pas mal sur le jeu. Donc à vous après de les découvrir. Donc pour le coup, là j'avais déjà tout trouvé. Je crois qu'il y avait une médaille d'or aussi. Si je dis pas de bêtises. Donc des petites planques secrètes avec pas mal de petits plans et tout ça. De nos chers nazis. Et je vais essayer de me dépêcher parce que je suis déjà 40 minutes de vidéo presque. Donc on blablate mais on avance pas trop. Donc on va se dépêcher. Ok. Direct. Wow. Donc là on arrive un petit peu dans un moment où il faut utiliser ses armes. Et de cette façon, je pense, il est préférable. Hein, de... Donc voilà l'intérêt des doubles guns, des doubles mitraillettes, des doubles fusils d'assaut, c'est vraiment un truc de fou. Et quand c'est bien utilisé, ça peut faire vraiment très très mal. Le pire reste à venir. Vous allez voir que par la suite, quand on aura le shotgun en double shotgun, ça va être magnifique. Franchement, ça va être magique là. Moi, vous savez que je surkiffe tout ce qui est fusil à pompe sur tous les FPS. Donc là, franchement, les mecs, ils m'ont donné deux shotguns. C'est même pas un shotgun qui défend, c'est deux shotguns. Donc là, j'étais vraiment aux anges là pour le coup. C'était pas mal. Par là, j'étais pas allé la première fois. Et voilà, ben pour le voilà. Des petites munitions, c'est toujours bon à prendre. Hein. Sachant qu'on tire tout le temps, je tire tout le temps de partout comme un chacal. Qu'est-ce qui se passe par ici? Si je me trompe pas, j'avais mis des. Ouais. Te cache pas, Moré. Je vais pas faire le bourrin. J'ai déjà tenté. Et je me suis pris.
Retour à l'envoyeur, d'accord, donc j'ai fait très mal avec la crosse. Donc pour le moment vous le voyez pas trop, mais je peux vous garantir que ça démembre, il y a du démembrage dans l'air, il y a du sang partout, c'est ce que vous voulez moi sur les FPS. Je vais pas vous mentir, j'en avais marre de tous ces FPS où... Ben vous tirez, vous voyez que le mec, vous mettez un coup de shotgun dans la tête, même pas la tête elle bouge ou quoi. Et là vous voyez qu'il y a... c'est pas mal hein. On refait la peinture. Donc certes c'est violent. Il y a pas mal de trucs qui sont vraiment... c'est hard, mais voilà, c'est ce qu'on recherche un petit peu. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu un FPS old school comme ça. Et moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je me languis de voir Doom ce que ça va donner. D'ailleurs, si vous avez précommandé sur... si vous avez précommandé le jeu, vous aurez Doom. Et il paraîtrait que sur... je me rappelle plus. Sur Ubisoft, je crois, sur Uplay. Si vous commandez le jeu. Ok, te casse pas la tête. Si vous commandez sur Uplay, parce que oui, je l'ai appris hier en live, Uplay vendait aussi des jeux qui ne leur appartiennent pas. Comme EA, moi personnellement, je me suis. Voilà. Dès qu'on m'a dit ça en live, j'ai dit ok, je savais pas qu'Uplay pouvait acheter le jeu sur Uplay, sachant que le jeu n'est pas d'Ubisoft ou quoi. Je pensais que la plateforme vendait uniquement que leurs jeux. Et il paraîtrait qu'ils se mettent à vendre d'autres jeux que ceux d'Ubisoft. Et il vous donnait aussi des accès pour je ne sais plus quel jeu. Donc renseignez-vous, ça peut être intéressant si ça vous intéresse de jouer à Doom ou à la bêta du moins. Donc voilà, renseignez-vous les gars. Soldat Wyatt, merci. Je suis sûr que vous me rendrez l'appareil, capitaine. Venez, je vais vous aider. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Qui sort celui-là? Soldat Gates, au rapport. Bien, dévoué et fou allié, bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Bon, ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasse. Une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Bosch. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon. Ça va, fiston? Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein nazis mutants. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route. Allez! Eh ben, t'es fatigué ou quoi? À la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Allez, debout. Une bonne équipe, comme un père et son fils. Oh. Capitaine Blazkowicz, Gatz, Benson, votre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Vous me recevez? Sans vouloir vous mettre la pression, c'est sûrement notre dernière chance. Si on tue pas le boucher, tout est foutu. Allez, grimpez. Mort de rire. Vous avez vu la petite danse? La petite danse du mec quand il est arrivé tout à l'heure. Plop, 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 tac, il arrive d'un coup, fusillade, grenade, je sais pas quoi, normal, il arrive. Oh, rapport, mec! Ah, il m'a tué, lui. Oh, 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 oh. Et la musique est vraiment stylée. Hein. Petite musique d'ambiance, là, d'un coup, ça y est, ça part dans un délire code, là. Non, je crois que dans le code, le dernier, on le faisait en descendant, ça. Ouh.
What? C'était tendu là. J'espère pour vous, parce que là il s'est passé un putain de truc de fou. Il y a un avion normal, il s'est crashé quoi. Ah, c'est vrai que. Il faut arrêter de bouger pour tirer. Et comme je vous disais, franchement, je trouve que le jeu est plutôt vraiment. Voilà, est vraiment pas mal du tout. Continue comme. Ok, bon, allez, j'arrive. Je suis désolé. Je l'ai pas vu venir. À toi de jouer, Blazkowicz. Rejoins le poste de commande et ouvre la porte. Une victime de plus, général. Vous gardez le compte. L'un de nous va mourir aujourd'hui. En fait, ça se disait pas Strass. Moi, je croyais que c'était Strass. Et c'est Strasseux. Mort de rire, ces Allemands. C'est nazi, quoi. Donc, ben voilà, c'était le fameux mec que je vous disais tout à l'heure qui est arrivé, genre en mode je danse. Ben, il s'est vite fait fumer, le mec. Donc, petite partie d'infiltre. On va voir qu'est-ce qui se passe par là. Y'a rien. Donc je vous le dis, hein, je vous le dis franchement, je vais visiter vraiment les moindres recoins du jeu. Il y a pas mal de trucs à visiter, j'ai pas mal de secrets à faire, quoi, à trouver du moins. Ok, je me suis cassé la gueule. Ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok. Je dirais que j'ai fait direct. Je sais pas où je suis passé. Les mecs à terre. Je sais pas qui c'est ce mec. C'est un des nôtres ou c'est un naze? Peut-être une pièce secrète. Oh non, j'aurais trop kiffé. Y'a rien en fait. J'ai un mec là. Je suis pas passé par là la première fois. Donc je saurais pas vous dire où on est là. C'est un chien ça. Alors oui, normal, on peut manger dans les gamelles. Eh, je le savais. J'aurais dû le tuer, ce connard. Oh putain. Oh, oh. Reste tranquille, frère. Oh putain! Vous voyez ce que je veux dire quand tu dis que j'essaie de faire infiltrer, mais. Oh le bâtard! Tu débarques d'où toi?
Cadeau. Oh, quel con! Bon, avec tout ce merdier, moi je vais me perdre. Je suis passé par là. Commandant! Calice en or, pas mal. Je l'ai pas trouvé ça la première fois, je crois. Donne-moi à manger, mon oreille. Alors. Non, le calice, j'avais pas trop, sinon j'aurais pas pu le prendre. Donc j'étais pas passé par là, donc j'aurais pu le faire de manière plus subtile, on va dire. Donc là encore, une épée qui était à prendre, une épée en or, qui était à trouver dans les objets, en plus. Ça j'avais pas vu la première fois, bon c'est juste de la vie. Donc petit truc encore, une façon de passer différemment, je pense, c'est pas ici. Ah je peux pas le faire, si. Juste, je veux voir en fait dans la furtivité ce qui permet de transporter couteau. Victime furtive, lancer de couteau. D'accord, 0 sur 5. Ok. J'espère que si je le tue, ce chacal. Bah ben voilà, ça fait la première victime. Thank you, Sean. Comment il sait que je suis là? LOL, ça passe pas à travers le mur. J'attends le putain de kleps là, mais je sais pas où il est. Oh le vase. Oh, je crois qu'il s'est fait péter la gueule tout seul lui. Vous avez capté ou quoi? J'ai voulu tuer ce chien, il y a l'autre qui est passé, je l'ai tué l'autre. On reste combien de couteaux? Un couteau. Oh merde, dommage. Oh, lancer de couteau quoi. Ok, ça va. Bon, ils sont mes couteaux là.
J'ai tout perdu là. Dans cette histoire, j'ai tout perdu, putain. Vas-y, mange dans la gamelle, c'est bien. Le couteau s'est planté où? Chelou ton truc. Bon. Oh pardon, je t'ai pas vu. Capitaine Berskowitz, on s'approche d'une sortie de secours. Je crois qu'il y a un truc à faire. C'est atteindre les 200 de vie. De surcharge de vie. Pour augmenter quelque chose, je me rappelle plus ce que c'est. Attends, lui me saoule. Voilà, donc on va aller là-bas au fond d'abord. Voir ce qu'il y a. S'il y a quelque chose d'intéressant. Rien, rien du tout. Hop. Ah ben voilà. Vous avez débloqué la régénération rapide. Donc j'ai réussi à monter à 200 de vie. Ben voilà. Automatiquement je l'ai dit, je l'ai fait. Ah d'accord, ça venait directement ici, ok. C'est bon, on se taille. Un petit recul quand même, hein. Putain, je crois que j'avais un couteau, je crois que j'ai... N'importe quoi. Salut mon ami. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire encore en plus? J'ai amélioré 2-3 petits trucs. Permet. Ah d'accord. Tir mortel à la tête. Ça permet d'équiper et d'enlever les armes plus rapidement. Ça peut être très fit. Ça peut être bien ça. Victime à la grenade permet de transporter une grenade supplémentaire. Ah, il faudrait que je fasse péter des gens. Donc ça c'est vraiment que des explosifs. Accroît la capacité de roquette du fusil d'assaut. Ah ouais d'accord. En roquette du fusil d'assaut, pardon. Pour la quantité de missions récupérées sur les ennemis tués. Ah putain, il faudrait que je débloque ça vite, 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 vite. Victime en glissade. Ok, il faudrait que je fasse des victimes en glissade. Priorité, victime en glissade, permet d'équiper et d'enlever les armes plus rapidement. Donc tir à la tête, victime en glissade. Et grenade. J'ai déjà oublié, c'est vrai que... pour le coup, je pense pas qu'on le fasse là de suite. Puisque les ennemis sont là-bas. Il faut aller lui. Donc vous avez vu, j'ai les armes illimitées du coup là, avec ça là, avec la machine gun. Moi-même j'aurais pas fait mieux pour buter ces nazis. Bon travail capitaine. Bon, on se dirige vers l'épave de l'avion. Blaskowitz, tu nous y rejoins. J'ai pas mal de petits là ralentissements, je sais pas pourquoi. J'ai pas eu de problème quand j'ai enregistré la première fois, quand j'ai fait des tests. Là j'en ai un petit peu. Chelou. Tu te baisses, merci. Sport de troupe. Des gamins vers l'abattoir.
J'ai vu ça trop souvent. Impossible de faire bouger cette poutre. On est coincé, Blazkowicz. Essaie de voir si tu peux la déplacer de ton côté. Vous pourriez peut-être utiliser ça pour la dégager. Vas-y, tu crois que je suis un chien ou quoi? D'accord. Voyons, une barrière. Je suis protestant. Vous allez devoir sauter, les gars. Vous d'abord, oui. Tu vas à la messe le dimanche? Quoi? Bon. Vous avez pas d'église en Angleterre? Pas de prêtre? Ouais. Ben, bon courage pour trouver une église qui tient encore debout en ce moment. Les banques, le temps dîner, à vous! Bon, écoutez les gars, moi je pense qu'on va s'arrêter ici. Parce que je suis presque à une heure de vidéo, si c'est pas plus. Donc, est-ce que Blazkowicz va réussir à sauter ce fameux trou de la mort qui tue? Ou est-ce que je vais me planter, je vais fail? Tout ça, vous le saurez dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi, en tout cas, ce premier épisode sur Wolfenstein The New Order. Moi, je vous dis à très très bientôt. Regardez tous ces gags, ils me regardent comme ça. Allez, vas-y, gros, saute, saute, saute. Moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé, c'était Parano. Allez, peace. Allez, à toi, Blazko. Ouais, ouais, dans le deuxième épisode, gros.